Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore avec le petit individu. On va faire une vidéo où genre... Non, tu vas tricher. Tu vas tricher. Mais non, je vais pas lire le résumé, ça va. Ou en gros, c'est l'exemple. Je vais lui montrer des couvertures de livres. Non, je vais te frapper. Je vais lui montrer des couvertures de livres et il va devoir... Non mais là tu me mets le résumé sous les yeux, hein. Mais arrête de lire aussi. Je lis pas, oh là là. Et il va devoir deviner genre ce que c'est. De quoi ça parle, mais lui je l'ai jamais lu, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Attends. Parle avec mes abonnés. À part dire qu'il fait super chaud et pensez à vous hydrater, moi je ne peux rien dire. Voilà, mais putain, j'ai fait le con, j'ai mis du. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Non. Du coup, on va commencer par lui au final. Attends, je relis le résumé parce que, genre, je l'ai pas lu encore, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Il a l'air trop bien, faut trop que je le lise. C'est du fantastique en plus. Ah merde. Je t'ai donné gros indice vu que je t'ai expliqué la dernière fois la définition du fantastique. Les larmes rouges de Georgia Caldera. Et elle est française, en plus elle est trop belle. Du coup tiens, je te laisse admirer ce chef-d'œuvre. Sachant qu'il a été réédité plein, réédité plein de fois. Ouais, mais j'ai pas une plus grosse culture. Enfin bref, essaye de deviner avec la couverture. En vrai, la couverture, c'est pas du tout. Bah, ça je indique sais pas que, de ouf. En général, c'est pas. Mais imprègne-toi de l'ambiance du roman, genre. Déjà, je pense que c'est un truc un peu pas horreur, mais ouais, thriller un peu. Bah, du coup, c'est du fantastique, donc. Il y aurait une ambiance un peu pesante. Ouais. Maintenant, trouver l'histoire principale, ça va être très compliqué. Le fantastique, je t'en ai parlé la dernière fois, moi, de la différence entre la fantasy et le fantastique. Je crois... Ah non, c'était avec Hugo que j'en parlais. Je sais plus. Mais le fantastique, j'ai déjà expliqué ce que c'était. La différence entre la fantasy et le fantastique, du coup, genre, si t'en rappelles, normalement, ça devrait te mettre sur la voie. Alors, du coup, attends. Fantastique, c'est dans notre monde, mais un peu. Pas perché, mais. Dans un mode et en mode, le personnage principal, il est en proie du doute tout le temps. Ouais. Du coup, je partirais plus. Il n'y a pas une histoire de vengeance dans le. Non, je crois pas. Ah, parce que la couverture et le titre. Les larmes rouges. À mon avis, c'est un bain de sang au bord de l'eau. Attends. Ouais, il y a un truc avec du sang. Tu peux décaler un peu, s'il te plaît, parce que... Ouais, il y a du sang au début. Déjà, c'est un meurtre et. Non, c'est pas un meurtre. Des larmes. Ouais, mais tu peux pleurer du sang parce que tu. Enfin, c'est une figure de cils, du coup. Oui, mais les larmes, c'est genre plus personnel, genre, c'est sentimental. Du coup, c'est un proche qui est décédé. Non. Ah. Bah ouais, il y a quelqu'un qui est décédé, mais je pense que les larmes rouges, c'est pas par rapport à ça. Je te donne combien de chances? Je pense que j'ai épuisé mon stock pour ce livre. Genre, t'as pas d'autre idée en mode fantastique, c'est quoi du coup Ben en fait, je vois mal où genre les larmes rouges, en quoi genre. Mais regarde, genre, t'as quand même genre un château et tout, genre. Non. Ouais, elle est orpheline et genre. Il y a sa meilleure amie qui meurt, du coup, mais il y a plein de. Je pense qu'elle a plein de petits soucis à côté. Et un jour, elle décide de se tailler les veines. et depuis le jour où elle a décidé de se tailler les veines, genre, elle voit des trucs hyper chelous et elle sait pas si elle est folle ou si elle a la réalité. Bah ouais, mais vraiment, du coup, le coiffeur n'est absolument pas. Ouais, bah, du coup, ouais. Lui, normalement, tu devrais. Je l'ai pas lu, mais je sais de quoi. C'est une biographie. Non, c'est pas vraiment une biographie. Tu vois, presque. Du coup, c'est Paquita. Oui, ça fait. Tu sais que ce livre, je le remonte depuis au moins 5 ans. Je l'ai toujours pas lu. Tu le remontes depuis 5 ans, tu l'as toujours pas lu? Pratiquement, oui. Je crois qu'il y a. Ouais, ça fait hyper longtemps que j'ai lu. Mais il a l'air trop bien en plus. Du coup, c'est pas. Non, pas un reportage, mais. Mince, comment on appelle ça? C'est plus mon mot. Une biographie. Non, pas une biographie, mais. Quelqu'un qui. Enfin, du coup.
raconte la vie de d'une femme noire, du coup, dans l'histoire. Mais après, ce qu'elle a fait dans sa vie, peut-être non pas immigrée ni clandestine, Presque. mais esclave. Ouais. Ouais. Ouais, c'est la vie, mais elle a vraiment existé, Paquita. Bah, vu la couverture, je me doute, hein. C'était une esclave dans les. Je l'ai plus en français. Parce que je l'ai fait en anglais plein de fois, genre quand j'étais à Cottonfield. Les T'es sur champs du Coton. coton. Ouais. Non, mais du coup, je l'ai plus à chaque fois dans la tête. Et ouais, et du coup, je l'avais acheté justement quand je faisais ça au lycée. Mais je l'ai jamais acheté. Enfin, j'ai jamais lu. Eh bien, t'as un point. C'est déjà pas mal, parce que là, ce sera le T'as seul un point que... point, quoi? C'est le seul point que je récolte. Attention, je t'en ai parlé plein de fois. Alors Ah lui, ouais, mais il y a des livres... la chanson de Rolling. Faut que je passe de la place dans mon cerveau. Allez, go. Regardez la couverture. C'est juste parce que je sais que je t'en ai parlé et vraiment, genre, essaye de deviner. Déjà, c'est des chants de guerre, déjà. Ouais. Ça, je me rappelle, parce que c'est vraiment ce truc de celui, t'as choqué... Je crois que c'est ma souris. Récit de guerre en poésie et apparemment vachement chiant à lire. Trop chiant. Mais la chanson de Roland. Pourquoi la chanson de Roland? Ah, tu me l'avais expliqué ça. Chanson de Roland, bah, c'est un récit sur un mec qui s'appelle Roland. Ouais, à peu près. C'est le neveu Ah, mais j'aurais été incapable de te dire qui c'était après. Comment il s'appelait là? Charlemagne. Comment il s'appelait là? Comment il s'appelait là? Ouais, en gros, la chanson de Roland, c'est genre la première chanson de geste. En mode, c'est. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais en gros, c'est un strophe comme ça. Et ça suit, ça raconte une histoire. Mais c'est que des chants de guerre et Je tout. suis que baillé! Un peu de tenue, monsieur. Ah, mais pardon, mais. Et du coup, c'est trop chiant, ne lisez pas ça, c'est nul. Pour lui, c'est un de mes livres préférés. Et je t'en ai déjà parlé parce que j'ai envie de le relire. Donc, Le vide de nos cœurs. Franchement, je pense que tu vas galérer à trouver. Ça parle d'un coup de foudre. Ouais, non. Enfin, J'aime pas quand tu plies les points de page. Ça se voit. laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux avec mes livres. Déception amoureuse, je pense qu'il y a tout dans ce livre. Il y a de la déception amoureuse jusqu'à l'amour. Non, il n'y a pas vraiment de déception Ah, amoureuse. zut. Mais il y a un thème principal dans le livre. Il y a de l'amour. Sans déconner. Non. Mais il y a un truc avant l'amour. Il y a un truc avant l'amour, le coup de foudre, du coup. Non, mais ça n'a pas rapport avec l'amour. Une histoire d'amitié? Non, c'est une histoire d'amour, mais Ah, c'est pas pour ça. l'histoire d'amour, elle apparaît vraiment quelque part. J'en ai déjà parlé Ah oui, mais moi je m'en rappelle pas. en plus. Ben oui, mais rappelle au timeline. Ça veut dire que quand je te parle, tu m'écouteras. Mais si, mais si, mais c'est juste que des fois tu me lâches tellement d'infos sur les livres que je retiens pas tout. Ah ouais, mais c'est ton boulot de retenir. Ah ouais, mais j'ai Moi, pas quand dit tu me ça. parles des jeux de vidéo, je retiens tout, ouais. Menteuse. Ah non, j'ai même pas. Non. Non. Je veux qu'on fasse. Non. On règle ça, on réglera ça après. Je veux pas que ça passe une autre chose sur les jeux vidéo, c'est pas Oui, non, mais. On vrai. réglera ça après. Je sais qu'actuellement, t'as envie de me saouler. Oui. En gros, ça parle de deux personnes qui sont inscrites sur le même réseau social. Et en gros, le réseau social, c'est des gens qui veulent se suicider, mais qui n'ont pas le courage de le faire seul. Ils veulent trouver des partenaires de suicide. Et en gros, c'est Non, cloche. mais attends, mais ton histoire elle est super glauque là! Je t'en ai déjà Ah, bah parlé. je m'en rappelle pas, hein. Oui, Ça m'étonne pas du coup, pourquoi je m'en rappelle pas? c'est hyper glauque, mais c'est trop bien. Moi aussi, au début, je pensais que j'avais pas aimé et tout, mais genre, j'ai trop trop Incroyable! kiffé. Et en gros, les deux personnes, ils se rencontrent et en mode, forcément, après, il va avoir une petite histoire d'amour. Mais il est trop, 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 Incroyable! trop bien. Voilà. Mais je vais t'en faire un autre et après, on arrête. Ou... Vous l'avez vu dans mon book-haul il n'y a pas longtemps. Et du coup, t'as regardé mes vidéos. Du coup, t'es niqué. Du coup, tu sais pas de quoi ça parle. Voilà. Éphémère. C'est Hugo qui me l'a donné.
C'est hyper compliqué avec la couverture. Ce genre de couverture, genre, n'a rien à voir. Bah, si, mais. Il n'y a pas une histoire d'oiseau avec qui s'est zigouillé. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais. Non, Mais tu me donnes des livres que t'as pas mais lus, parce c'est qu'à quoi ça? Montpellier, j'ai que des livres que j'ai pas lus pratiquement. Parce que je les ramène chez mes parents après quand je les ai lus. Pour qu'il y ait de la place. Mais en gros, sers-toi un peu de la métaphore de la cage. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un truc comme ça. Par contre, si c'est une histoire de genre de mec qui se séquestrait dans une cage. Non. C'est pas la cave. Ah. Parce que t'as un livre vraiment. Ah oui, c'est vrai, C'est la cave. Déjà, à mon avis, la dame dans l'histoire doit pas avoir une espérance de vie bien courte. Premièrement. À mon avis, elle doit se faire zigouiller. Ah non, c'est pas un truc comme ça. Ah. Non, mais elle reste dans le séquestré et tout, t'es bien. Vraiment, c'est qu'elle serait dans une cage? Non, c'est pas séquestré dans une cage, c'est une métaphore, la cage. Ah, elle est mince, elle est manipulée par. Non, elle est pas vraiment manipulée. Bah, faut savoir. Mais elle est soumise. Pour le coup, j'aurais pas pris la cage pour la soumission. Dis pour la soumission, j'aurais pas pris la. J'aurais pas mis une cage. Ouais, mais tu vas voir pourquoi une cage. C'est une soumission par rapport à quelqu'un. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a ça. Regardez si vous avez vu. Mais je t'ai rien fait Tu m'as là. roulé sur l'orteil Ah, avec la pardon. roue! Genre, si vous avez vu mon. Mais vous allez pas voir. Attends. Ça voudra pas faire la mise au point. En gros, il y a une bague là. Pour ça qu'ils ont pas un zoom. En soi, il n'y a pas de zoom, ils ont juste entouré sa main avec la Oui, veille, mais avec c'est pas un l'alliance. zoom. C'est une alliance. Ah, du coup, elle est soumise à un homme. Ou une femme. Je ne sais pas. Alors. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, non, mais tu m'en demandes beaucoup par rapport à la Oui, couverture. Déjà, je trouve ça, c'est déjà pas mal, je trouve. mais ça va, je fais que t'aider. Oui, non, mais. Tous les trucs que t'as dit, c'est moi qui te les fais deviner. Non, je peux pas trouver pourquoi avec la En couverture. gros. De ce que j'ai compris dans le résumé, c'est on est dans une société où en mode les hommes ils vivent vraiment pas hyper longtemps et genre je crois ils ont 25 ans d'espérance de vie, un Mais truc comment comme tu veux que ça. je trouve ça avec la couverture? Non, mais ça on s'en fout. Et en gros, les du coup, pour perdurer la race humaine, perpétuer la race humaine plutôt, les femmes bah, elles sont kidnappées et elles sont violées, machin et tout T'as vraiment des livres sympas, toi. Hein. faire des enfants. Entre Le sou, le réseau social pour suicider et la guerre, l'esclavage et le taillage de veines. Ouais, enfin, plus pas la parano, mais Pour ça que je fais des cauchemars, même peut-être. Non, le chant d'Achille, ça va. C'est pas trop. je sais pas, je l'ai pas. Va, ça passe. Voilà, t'as bien aimé. T'as fait que perdre, mais. Ouais, bah j'ai un point. Ouais, t'as un point, c'est ce qui compte. Ouais, j'ai déjà pas pris Fanny, c'est bon. C'est ce qui compte. tu peux dire au revoir, j'ai la flemme. Mais non, c'est pas grave. Ah, mais toujours plus, c'est pas comme ça qu'on fait. Du coup, au moment que vous retombez, aïe. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Mettez plein de commentaires. Parce que ça fait grave plaisir. Arrête de bailler là. C'est toujours plaisir d'avoir plein de petits commentaires et tout, ça motive. Les j'aime surtout, les j'aime. Non, allez, je préfère les commentaires moi que les j'aime. Ça montre que les gens ils sont là. Genre. Parce que mettre un j'aime, c'est facile. Genre, tu regardes la vidéo, tu mets un j'aime. Alors que mettre des commentaires, genre, ça montre vraiment que tu es motivé pour à soutenir le créateur de contenu. Et dites-nous si vous aimez bien cette petite chose. Elle reviendra. Je suis gentil. Je la sortirai de sa cage et elle reviendra pour faire une vidéo. Voilà. Help. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!